Bonjour, comment ça va avec cette licorne que je disais? Comment ça va avec le ramadan? J'espère que tout va bien et que ça passera très bien chez vous, je l'espère. Alors, en continuant notre formation module comptabilité, la dernière vidéo, j'ai traité la déclaration de la TVA. Et dans cette vidéo, j'ai donné une série d'exercices qui traite la facture avec les réductions commerciales, financières et la TVA. Également une autre série qui traite le calcul et la déclaration de la TVA. Si vous avez trouvé des difficultés ou quelque chose qui ne va pas ou quelque chose que vous n'avez pas, assimilé, veuillez me contacter ou laisser des messages. Alors, aujourd'hui, je vais traiter la facture d'avoir. La facture d'avoir, c'est une facture qui vient pour corriger la facture de droit initial. C'est-à-dire, une fois que le client il reçoit les marchandises livrées par le fournisseur, ça veut dire il peut y avoir un événement qui est intervenu. Avec l'événement, manqué, par exemple, que la marchandise livrée présente un défaut de qualité. C'est possible qu'il y ait un retard de livraison. C'est possible qu'il y ait une omission d'une réduction, ça veut dire une ça, c'est une réduction, une ça, mais de la facture. Alors, mettez en cause les événements, avec la facture lourde. Et bien, c'est une autre facture, liée à la facture d'avoir. Donc, la facture d'avoir, 4G, la facture lourde, liée à la facture d'avoir. Et bien, dans la facture d'avoir, si le client les recevra, mais la facture d'avoir, 4G, c'est le fournisseur qui doit rembourser le client. Ça veut dire le fournisseur, il doit à son client une certaine somme qui sont déterminées au niveau de la facture d'avoir. L'avoir, il vient modifier les conditions de la facture d'avoir. Au cas d'elle, donc, dans les mêmes conditions que la première facture. Le document, les voies de facture d'avoir, il est adressé par le fournisseur à son client dans certains cas. La chambre des cas, mais dès que la marchandise qui est livrée présente un certain défaut de qualité, le client kerja, donc il fait un retour de la marchandise, donc il faut corriger. Ou là, il y a un retard de livraison, ou là, il y a une réduction. Or, facture, là, une réduction, il est quand même ça. Le fournisseur, je dirais que la facture initiale, t'as c'est avec la facture de l'eau, et par la suite, il veut lui accorder cette réduction. Et d'un saut, il y a une autre facture, les réelles factures d'avoir. Au cas une réduction hors facture, ou là, le cas d'une erreur, qui a été commise au niveau de la facture, il y a de l'erreur. Elle est avantageuse pour le client. C'est une erreur, les dettes, les salaires du client. Ça, une autre facture, liée avec la facture, ça, à travers cette facture, on doit rembourser le client. Donc, la facture d'avoir, elle est en cas de retour, ce n'est cela, mais je vais toucher, où il y a une erreur sur la marchandise. Ou là, avec la marchandise, il n'est pas conforme à la commande. Et bien, le client, il fait un retour. Donc, la marchandise retournée, ça, on dirait une autre facture, avec la marchandise qui a été retournée, la facture initiale, là. Soit que, avec la facture d'avoir, il vient pour corriger la totalité de la facture, là, pour annuler la facture, là, la totalité de la marchandise, elle a été retournée. Soit 4G avec la facture pour faire corriger une partie
de la facture initiale, les dernières factures, disons, il y en a seulement une partie de la marchandise qui a été retournée. Donc, en cas de retour de la marchandise défectueuse ou non conforme, le fournisseur doit établir une facture d'avoir à travers laquelle il va corriger la facture, soit il va corriger une partie de la facture droit, soit qu'il va annuler la facture droit parce que indique la vente n'a pas. Donc, le retour de marchandises ou de produits doit s'effectuer dans les mêmes conditions. Et bien, avec le retour qui des conditions de la vente d'origine. Il y a quand une réduction commerciale de la facture initiale, cette delta la facture d'avoir. Il y a quand un discount qui a été accordé au niveau de la facture initiale, il doit être accordé en même temps la facture d'avoir. Donc, on peut dire que le retour des marchandises ou de produits doit s'effectuer dans les mêmes conditions que l'achat ou de la vente qui est d'origine. Si une réduction commerciale figurait sur la facture de droit, il doit être déduit également du prix brut des marchandises retournées. C'est normal. Il est qu'un n'obstacle maintenant la facture de là. C'est normal, les 14 gelées, c'est là tout. Sauf la réduction des taux. Elle ne même plus une obstacle, même plus le fournisseur. Il nous passe une marchandise qu'il n'a pas vendue. C'est normal. Ou même le client, il doit bénéficier d'une réduction sur une marchandise qu'il n'a pas achetée. Donc c'est pour cette raison qu'on doit procéder à faire les mêmes calculs de la facture Lola. Si un escompte est figuré sur la facture Lola, il doit être déduit également du net commercial des marchandises retournées. Parce que le fournisseur n'a pas à supporter une réduction sur le prix des marchandises qui ne sera pas payé, la réduction qu'elle dit, elle est plus les radins chutes. Il a qu'un la marchandise retournée, le montant dit, la marchandise chutes. Sinon, les arrangements, les nest là. Il est même que je n'ai pas un escompte, elle est plus marchandise chutes. Donc, il faut déduire l'escompte. Et également, le client n'a pas à recevoir un escompte, même que le client échoue un escompte, elle a une marchandise qui ne payera pas. Le client a un escompte, mais il n'a pas de chance là. Et de même que je n'ai pas de escompte, elle a une marchandise. Donc, ça, nous avons l'escompte d'elle. Donc, pour résumer, la facture d'avoir pour faire corriger la facture, pour faire corriger une partie de la facture, toi, ou là pour faire annuler la facture toi. Les conditions, la vente, l'eau là, fait un chéhaja. Un chéhaja, il fait un chéhaja. Soit être que la marchandise livrée est défectueuse pour le fournisseur, le client, soit être qu'il ne conforme pas à la commande, ou le client, soit qu'il est taf de béha, ou t'es l'objet non xlé, ou la qu'il est chéhalik, soit qu'il y a un retard de livraison. Alors, faites les conditions. Le fournisseur doit établir une facture d'avoir. L'essentiel est que la facture d'avoir est établie dans les mêmes conditions que la facture droit. Et les canaux de réduction qui sont déjà calculés au niveau de la facture droit, on doit les respecter dans la facture d'avoir. Un exemple. Le 20 mars, Ashraf adresse à Mouad une facture d'avoir numéro 1 constitutive au retour des marchandises de 5000 dirhams. Idem, pardon, Mouad, il a retourné à son fournisseur Ashraf 5000 dirhams de marchandises. Donc, on va établir la facture d'avoir conformément les conditions, les kainim fait la livraison dès le 18 mars. Donc, je vais d'abord, et là, je n'ai la livraison dès le 18 mars, je vais avoir une facture d'avoir. Avec les conditions, avec la facture d'avoir, ce sont les mêmes conditions. La facture d'avoir. On va voir la facture d'avoir. Donc, la facture d'avoir, votre retour de marchandise de 5000 dirhams, on a déjà calculé une réduction, une remise de 5%. Donc, 5000 fois 5%, ça va nous donner 5000 fois 5%, ça va donner 250. 5% de la remise, à quand la facture l'eau là. Quand une autre remise de 10%, 4750 fois 10% et ainsi de suite, voilà le net
commercial. Également, il y a un escompte de 1%, donc 4275 fois 1% fois le montant de l'escompte de 2 pour obtenir un net financier. Également, je dois tenir compte de la TVA. Donc, il y a une réduction de la TVA, mais je vais vous dire parce que la TVA, c'est une réduction au niveau de la TVA facturée des clients. Pour cette nous au niveau de la TVA récupérable bien non pardon la TVA cette nous au niveau de la TVA facturée des fournisseurs pour cette nous au niveau de la TVA récupérable bien le client les la facture d'avoir ou là c'est la contrepartie ou là c'est l'inverse de la facture doit donc la facture d'avoir il vient pour annuler soit une partie de la facture droit, soit la totalité de la facture droit. Alors ici, la facture droit, le net à payer, le montant, la facture droit garder le client, mais net à le net à votre crédit. À votre crédit, ça veut dire le montant des 5078, ou le montant qu'on doit porter au crédit du compte client. Au crédit du compte client. Le montant, il vient en diminution de la créance client. De la créance du fournisseur sur le client, et également il vient en diminution de la dette du client vis-à-vis du fournisseur. Donc on doit faire renverser les comptes qu'on va voir au niveau de la comptabilité. La comptabilisation d'Ashraf, les rôles fournisseurs. Et donc au niveau du journal de Ashraf, je vais annuler ou là je vais réduire la vente. Et donc la facture doit, dans le journal d'Ashraf, on accrédite la vente. L'ENA, c'est un produit. Mais maintenant, la vente, on va la débiter pour réduire ou la diminuer le montant de la marchandise retournée. Également, la TVA, il doit être diminué. L'ENA, la facture d'avoir, il vient en diminution de la facture droit. On va diminuer, je vais créditer le compte client, l'ENA, redin nqoss min dakchi li tkanselo. Et au niveau de l'escompte accordé, donc le fournisseur m'a redicherté l'escompte à la chihaja. Donc il faut réduire l'escompte accordé, c'est une charge. Donc la diminution d'un compte de charge, ça nécessite 100 crédits. Donc pour enregistrer la facture d'avoir chez le client, chez le fournisseur, on débite le compte vente de marchandises, on diminue la vente, on débite le compte TVA facturé, peut-être que la diminution de la TVA facturée dit le client, on crédite le compte client, peut-être qu'une diminution de la créance, et on crédite l'escompte accordé, il vient de diminuer l'escompte, il y a une certaine somme d'argent, le fournisseur va pas de chida, il ne va pas acheter l'escompte, ça, nous sommes l'escompte. C'est inversement qui se passe au niveau du compte client. Au niveau du compte client, on va débiter le compte fournisseur pour en diminution de la dette fournisseur. On va débiter l'escompte obtenu, باش نقسم الاسكونت لان ما يمكنش نستافدو من الاسكونت على شي فلوس حنا ما خلصناهمش خصنا نفيدو الاسكونت على دوك الفلوس اللي ما باقاش غادي يخلص لو كليون également le client il a retourné une partie de son achat donc خصنا نقصو هذاك لو مونطون اللي رجع donc le compte achat il est crédité par le net commercial de la facture d'avoir également la TVA on ne paye la TVA que sur les achats qui ont été effectués. Donc la TVA récupérable au niveau du client, il va être diminué. C'est pour cette raison qu'on a crédité TVA récupérable. Donc voilà comment on procède à l'enregistrement d'une facture d'avoir. Ça au niveau du retour de marchandises. Donc le retour de marchandises chez le fournisseur, on diminue la vente. Et chez le client, on diminue l'achat. Le retour chez le client, on va diminuer la TVA récupérable et chez le fournisseur, on va diminuer la TVA facturée. Chez le client, on va diminuer la dette du fournisseur et chez le fournisseur, on va diminuer la créance client. Chez le client, on va diminuer l'escompte obtenu,
أرجع سلعة دونك خص ما بقيش يستلم ليسكونت كلها يشيل لو فورنيسور اون فا ديمينيي ليسكونت أكوردي. La réduction commerciale hors facture. La réduction commerciale hors facture, ça veut dire que la marchandise, les postes le client, il y a un certain problème, ok, mais il a préféré de garder la marchandise et il demande une réduction à son fournisseur. Ou il y a un retard de livraison et que le client, il a demandé une réduction supplémentaire. Donc, en cas où il y a des réductions supplémentaires, ou l'équipement de réduction hors facture. C'est-à-dire la réduction de l'équipement après la facture initiale. La réduction est connue. Soit, là, la marchandise livrée, il présente un défaut de qualité ou il n'est pas conforme, et que le client, il a préféré de la garder. Mais à condition que le fournisseur ne passe les termes. Il a réduction, c'est une réduction hors facture ou une réduction supplémentaire, l'ersadel au niveau de la facture d'avoir. Ou le fournisseur, il a fait un retard de livraison et que le retard, il a causé un préjudice, ça veut dire le haqq d'arar du client, ou le client clame une réduction et que le fournisseur lui accorde cette réduction dans une facture d'avoir. Alors, les réductions commerciales supplémentaires hors facture modifient les conditions commerciales de départ. Ils doivent être comptabilisés dans des comptes spécifiques. Il y a des réductions qui offrent des comptes spécifiques. Chez le fournisseur, au début du compte, il y a un rabais remise ristourne accordé par l'entreprise. Il y a deux comptes. Lorsqu'il y a un rabais qu'on a accordé sur une vente de marchandises, et une réduction qui est accordée sur la vente d'un bien et service produit. Et chez le client, l'inverse. 61-19 et 61-29. Donc, les comptes, les réductions commerciales hors facture ou la, hors, ou la supplémentaire. Qu'il y a le plan comptable, 4 les comptes. Ou d'aïmen, il y a un 9 la 4e position. Et bien, les comptes, il y a un 9 la 4e position, vous le remarquez, il y a toujours un 9 la 4e position. Ce sont des comptes soustractifs. Ça veut dire il vient en soustraire. Il vient en soustraction. On les soustrait. Hada, l'ibadib 7, bisbaha, qu'un noqsu min vente chez le fournisseur. Ou hada l'ifesta, qu'un noqsu min l'achat chez le vendeur. Idem, mais quand on a une réduction hors facture. Les quatre coulées d'une réduction hors facture ou une réduction supplémentaire. Chez le fournisseur, il est enregistré dans rabais remise restaurant accordé par 10 semaines de sa tâche. Ou lors 10 semaines de chez une, ça dépend où je vends de marchand des la vente de biens et services produits. Et chez le client, est enregistré au crédit du compte. Ou à 10 semaines de chez une rabais remise restaurant obtenu sur achat de marchandises. Ou là, ou à 10 semaines de chez une rabais remise restaurant obtenu sur achat de matière, achat consommé de matière. Et fourniture. Hada, ce sont des comptes, les quels la classe 6 du juge, ou Hada, ce sont des comptes, les quels la classe 7. Hada, quel cas où Hada dit la classe 7, ils sont débités, ou Hada, la classe 6, ils sont crédités. Ou Hada, si vous rappelez, les comptes de la classe 6, ils sont débités, et les comptes de la classe 7, ils sont crédités. Mais c'est le cas l'inverse. La particularité de trouver un compte de la classe 7 qui présente un solde crédit débiteur et un compte de la classe 6 qui présente un solde créditeur, c'est qu'on mais jamais on peut trouver un compte de la classe 7 qui présente un solde débiteur et un compte de la classe 6 qui présente un solde créditeur. La particularité est qu'on les NS sont des comptes soustractifs. Soustractif, si vous rappelez, mais que n'atteindront le CPC, n'a au niveau des achats atteindront achat revendu de marchandises qui est égal à achat de marchandises moins rabais remise restaurant obtenu. Vente de marchandises dans l'État, vente de marchandises moins rabais remise restaurant accordé par l'entreprise. Idem, en résumé, la réduction supplémentaire
chez le fournisseur, quand je fais le compte débité, et chez le client, quand je fais le compte au crédit. Un dernier exemple. Ashraf adresse à Mouad une facture d'avoir numéro 2 constatant un rabais de 5% sur le montant net des marchandises conservées. Les NFL, Ashraf, plutôt Mouad, j'ai une quantité de marchandises. Une partie, 5000, je n'ai pas la facture de l'oula, je vais aller, ou donner la facture de là. Il dit avec chez les bras et dos, galérer chez dos, ou à la rame noxlée, qu'elle est 5%. Donc, maintenant, travailler faire établir la facture d'avoir et enregistrer. Donc, on va voir comment on peut établir avec la facture d'avoir, le diapos suivant. Donc, ici, la facture d'avoir que Ashraf il a adressé à son client Mouad, c'est un affaire, sur les nettes commerciales des marchandises conservées. Et un rabais de 5% sur montant net des marchandises conservées. Le net commercial, c'est notre commercial de la facture d'Oualou ou la Liberli. Nous avons le net commercial de la facture d'avoir le retour de 5000 dirhams de marchandises. Au rendez-vous, le rabais de 5%. Regardez, 1068. 60,75. Donc, je vais appliquer l'escompte parce que dans la facture d'Oualoula, qu'il y a un escompte de 1%, donc on doit le prendre en considération. Un net financier de 1058, une TVA, le net à votre crédit. Et bien voilà comment on calcule la facture d'avoir en cas d'une réduction hors facture. C'est-à-dire qu'il est établi dans les mêmes conditions de la facture d'Oualoula. Au niveau de la comptabilisation, on va la voir. Chez Ashraf, le fournisseur. Donc là, on doit débiter le compte travail remise restaurant obtenu. On va créditer le compte client. Les NS, c'est une demande de créance. Le compte client, c'est un compte de client. Il a fait une augmentation qu'un débité. Il a fait une diminution qu'un crédité. La TVA facturée, bien sûr, il sera débité. La suite d'une dette, on va diminuer la TVA facturée chez les fournisseurs. Et l'escompte accordé, bien sûr, il sera, c'est une charge, qui va être, c'est une charge pour le fournisseur. L'IRSA, le créditeur, on va diminuer l'escompte pour le client. Et là, avec le flux, l'IRSA. Inversement, chez le client. Donc, chez le client, on va diminuer la dette. Le client, c'est une réduction. Donc, d'aider le fournisseur, donc on va débiter, le fournisseur pour diminution de la dette fournisseur. L'escompte obtenu, il va falloir que je vais faire un peu de temps pour que je vais faire le fournisseur. On a des l'escompte. Également, la réduction, elle dit 1068, et sera enregistrée chez le client, dans le compte, je dis, chez le client, dans le compte Rabais Remise Restaurant obtenu. Et la TVA récupérable, bien sûr, il va être diminué chez le client. Donc, là, je dis, une réduction commerciale hors facture, elle dit que la réduction commerciale hors facture, elle est enregistrée chez le fournisseur dans le compte Rabais Remise Restaurant obtenu. Apporté par l'entreprise et débité, et chez le client, dans le compte, rabais remise restaurant, obtenu sur achat et crédité. Ici, lorsqu'il y a un escompte hors facture, ça veut dire le fournisseur, il a accordé un escompte hors la facture. L'escompte supplémentaire, ou la escompte hors facture, se comptabilise dans les mêmes conditions que celle relative à la facture initiale des yédois. Et d'un côté, on a l'escompte, le fournisseur, le client, mais en dehors de la facture d'oie, alors qu'on dira que c'est en dehors de la facture d'oie. Toutefois, il entraîne pour le fournisseur, donc l'escompte, il entraîne pour le fournisseur une diminution de la TVA collectée et une diminution de la créance client. L'escompte, il est averti le fournisseur et le client, l'escompte, il est ingénieur. Une diminution de la TVA, la TVA, le fournisseur, mais il ne peut pas faire une TVA, il ne peut pas faire une TVA, c'est pas possible.
où le client il une TVA, elle est plus, elle est change. Donc, l'escompte hors facture, il entraîne chez le fournisseur une diminution de la TVA facturée et une diminution de la créance client. Il y en a une somme de chez le Kinsalo, le client. Et chez le client, il entraîne une diminution de la TVA déductible, il y a récupérable, il y en a le client. On déclenche la TVA, elle est plus, elle est plus. Le plus, elle est plus, elle est moins TVA. Ou également, la dette, il y a le fournisseur. Il y a le fournisseur qui a un escompte, il y a un escompte, il y a un escompte, il y a un fournisseur. Exemple, un exemple que le fournisseur adresse à son client la facture d'avoir numéro 3, constatant un escompte de 1% oublié sur la facture noire. Ça veut dire, avec la facture, doit numéro 15, là, il y a un escompte. Donc, on va voir comment on peut établir la facture et également son enregistrement. Donc, établir la facture, est-ce qu'on a oublié le montant net commercial 13 500 fois 1% TVA également, toujours, il faut parler de la TVA, le montant qui doit être payé par le client et le montant qui doit être reçu par le fournisseur. Et donc, la TVA est une chute le montant, le prix. Le net à votre crédit, ça veut dire le net, les crédits, le fournisseur, le client, Diallo, 162. 162, le montant, le fournisseur, le client. L'enregistrement chez le fournisseur. Donc, on va accorder l'escompte, le client, les NRNZ, l'escompte de 135. Une TVA facturée, c'est une diminution. Une TVA facturée est 162, où le montant, le fournisseur, la créance, il y a tout là, le client. Ça veut dire, le client, ça va? Et là, on crédite le compte client pour diminution de la créance. On a débité l'escompte apporté. Il y en a, le fournisseur a un escompte. Et la facture d'avoir, il y avait un escompte, il entraîne une diminution de la TVA facturée. Et pour diminuer une TVA facturée, il faut la débiter. Là, c'est un compte de dette. Le compte de dette, c'est un sens des comptes de passifs. Il augmente par le crédit et diminue par le débit. On va voir chez le client, c'est l'inverse. Fournisseur, gna, l'escompte hors facture, il entraîne une diminution de la dette fournisseur. Gna, le compte client, le compte fournisseur est débité. Il donne un même nom. L'escompte obtenu, il y a un staff féminin, le fournisseur. Également, il entraîne une diminution de la TVA récupérable. Il donne la TVA récupérable, c'est un élément de l'actif circulant. C'est de la classe 3. Il augmente par le débit et diminue par le crédit. Il donne un crédit tout. Le compte de TVA récupérable, on a diminué la TVA et on a diminué la dette et on a constaté que le fournisseur, que le client plutôt, il a obtenu un escompte hors facture. Ici, vous avez un exercice. Donc, dans cet exercice, il y a un certain nombre d'opérations qui sont réalisées par une entreprise. Bien sûr, Hachi fait les réductions commerciales, la réduction financière et la TVA. Bien sûr, avec une facture d'avoir. Je vous demande, donc ici, dans le travail à faire, établir les factures CT ci-dessus et porter et procéder à l'enregistrement chez LC. LC peut-être une société qui réalise un certain ensemble d'opérations. Idem, vous essayez pour s'entraîner à établir les factures et de savoir comment on peut enregistrer les factures. Donc voilà. Des opérations l'ERSCOM 0. Donc non, je crois que le transport la vidéo prochaine. Donc ici dans la vidéo d'avant, on a traité la comptabilisation, oui, la comptabilisation des factures qui comportent les réductions commerciales et la réduction financière, également la TVA. Donc là, elle a la facture d'avoir. Donc la facture d'avoir, le cas d'hier,
facture, pas de retour de marchandises. Le cas d'iel les réductions en facture, ou le cas d'iel l'escompte hors facture. Je donne des exemples où on a établi les factures d'affaires, on a procédé à leur enregistrement chez le client et chez le fournisseur. J'espère que les idées sont claires. Donc, à chaque fois que vous essayez d'établir un exercice, et si vous avez des questions, je ne sais pas, quelque chose que vous n'avez pas compris, de poser des questions, de me contacter à tout moment, et je suis là pour répondre à vos questions, afin de bien vous transmettre l'ensemble des idées qui vont vous permettre d'établir des factures. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous encourage de faire des interactions avec la vidéo en posant des questions. Donc, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.